Salut à tous, bienvenue dans cette courte vidéo où on va parler de dénombrement et on va revenir sur quelque chose d'important, c'est le principe multiplicatif. Dans cet énoncé, on vous dit que Monsieur Patate possède 3 chapeaux, 5 nez et 4 paires de chaussures. Et on voudrait savoir le nombre de compositions possibles au niveau de son habillement. Donc, on va partir sur des créations de triplets dont la première composante ce sera les chapeaux qui sont au nombre de 3. La deuxième, les nez, nombre de 5. Et puis donc la dernière, les paires de chaussures qui sont au nombre de 4. Et là, en fait, on va poser un petit peu les choses, on va donner des noms ensemble pour arriver à relier tout ça à la théorie qu'on a vue en classe. Même si ces choses-là peuvent se faire de manière assez intuitive, hein. Donc on va donner 3 noms à ces 3 ensembles. On va appeler C l'ensemble constitué des chapeaux. On va appeler N celui constitué des différents nez. Et puis, on va appeler P l'ensemble constitué des 4 paires de chaussures. Donc le cardinal de C, c'est 3, le cardinal de N, c'est 5, et le cardinal de P, c'est 4. Et donc ici, on s'intéresse au produit cartésien C croix N croix P. Et on cherche donc son cardinal. Et le principe multiplicatif nous rappelle que le cardinal d'un produit cartésien, c'est le produit des cardinaux des ensembles qu'il compose. Donc cardinal de C croix N croix P, c'est cardinal de C multiplié par cardinal de M multiplié par cardinal de P. On arrive donc à 3 fois 5 fois 4 égale 60 façons différentes de s'habiller pour Monsieur Patate. Chose, je répète, qu'on aurait pu trouver de manière intuitive en créant un arbre, par exemple, et en dénombrant le nombre de branches. Voilà pour cette petite vidéo de dénombrement. J'espère que tout aura été clair. Si c'est le cas, parfait. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.